Mesdames, messieurs, bon appétit. Merci. Salut à tous, l'équipe de Bonap a constaté que beaucoup d'entre nous partaient à l'assaut de la poudre sans être forcément bien informés au risque de la pratique. Comme on voit un peu trop souvent ce genre de gus en dépente, on a décidé de vous faire un petit entraînement d'EVA à la sauce Bonap. Alors on va appeler sonde, ça te dit rien ça? C'est quoi? Bon, c'est des petits accessoires, je vais te montrer à quoi ça sert. On vous conseille de vous acheter une sonde costaud. Parce que si vous vous trimballez avec une sonde en plastoc, au premier coup de sondage dans une neige compacte, vous allez l'exploser. Et quand c'est à angle droit, ça marche vachement moins bien. Ensuite, prenez-la un peu plus qu'un mètre 20 si vous pouvez, parce qu'une avalanche, ça peut être quand même épais. Enfin, à l'intérieur, ça peut être une corde ou un câble. On vous conseille le câble, ce sera toujours plus costaud. Donc voilà, lésinez pas. C'est pas grave si c'est un peu plus lourd, faut que ce soit costaud et long. Sinon au niveau de la pelle, si vous voulez être une vraie foreuse, faut un truc costaud, en alu, pas un truc en plastoc qui est pété au premier coup de pelle et tu finis comme un clébard à gratter le talus. Sinon il faut un manche assez long, pas un truc tout petit, ça permet d'avoir déjà plus de force. Et puis normalement si t'as déjà ça, ça devrait bien se passer. Dernier ustensile et pas des moindres, le DVA. On n'est pas sur M6 boutique, mais je tiens quand même à vous dire que les nouvelles générations, elles dépotent beaucoup plus en multivictime, vous avez une bonne portée, c'est vachement plus simple même si vous êtes vraiment mauvais. Donc je vous conseille de renouveler le matos. Depuis peu dans les stations, on peut trouver des DVA Park. C'est vraiment pas mal, c'est tout matérialisé pour s'entraîner, donc je vous invite à vous renseigner près de chez vous s'il y en a un. Donc on va passer directement à l'entraînement à la recherche, avec les bons petits réflexes qui vont vous aider quand votre pote aura besoin de vous. Yes! Donc maintenant l'idée c'est de planquer l'arva pour faire la recherche. On vous conseille de le cacher dans un sac à dos, parce qu'au niveau du toucher pour le sondage, ça ressemble plus à une personne qui serait sous la neige. Et puis un petit conseil en connaissance de cause, pensez à l'allumer avant de le planquer. Ok? Pour ceux qui ont besoin d'une petite carotte comme moi, il y a toujours moyen de rendre l'exercice un peu plus fun. Idéalement, il faut quand même l'enterrer un peu profond, que ce soit pas trop facile au sondage. Et même si vous pouvez piétiner toute la zone, que ce soit pas flagrant là où il est. Ça marche bien. Hein. Donc là, on va attaquer notre recherche. Le premier truc à faire, c'est on est en mode réception, on va passer en mode émission. On a tous assez d'imagination pour s'imaginer un espace de travail pour une avalanche et on attaque la recherche primaire en faisant des zigzags. Le but c'est de garder son arva à plat dans le sens de l'avalanche et jamais le tourner tout au long de sa recherche. Ah ! T'entends Nico le chant de la bière ? Maintenant il n'y a plus qu'à faire la recherche secondaire, on suit ce que nous dit la flèche. Donc là tu vois on arrive au dernier, à la dernière recherche, c'est la recherche en croix. Donc on se rapproche du sol le plus possible et on essaye de trouver le plus petit signal pour faire sa première marque. Donc là mon plus petit signal il est ici, je fais une marque et je continue pour être sûr de m'éloigner encore du signal. Donc là je suis à 1,5, c'est bon. Je reviens à ma première marque. Je pars dans l'autre sens, je me rééloigne encore. Donc là mon plus petit signal il est ici, je laisse mon arva. Et je mets un premier coup de sonde. Donc là, je l'ai tout de suite. Yeah. Impeccable, c'est l'heure de l'apéro. Bravo Fabien. Merci bien. Bon ok les gars, vous êtes entraînés à faire une recherche avec un DVA, mais c'était sur du plat, c'était à pied, et sur un vrai terrain avalancheux, ça se passe pas de la même façon. Putain, c'est merdier, j'y arrive pas là, putain. Tranquille, t'es où? Ok les gars, alors avant de vous montrer l'entraînement sur un vrai terrain avalancheux, on va d'abord vous donner quelques bons petits réflexes à avoir. Si malheureusement un jour vous êtes témoin d'une victime en avalanche, il faut suivre cette victime du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse sous la neige et bien repérer le point où elle a disparu parce que c'est là que votre recherche va commencer. La suite c'est si vous êtes accompagné, de mettre tout le monde en sécurité en cas de suravalanche, appelez les secours, si vous avez quelqu'un de confiance sous la main, vous lui demandez de le faire car vous aurez sûrement autre chose à foutre à ce moment-là. Maman ! Maman, t'as pas le numéro des pistes ? Ouais, là je vais te faire partir une avalanche, y'a Francky, il est dessous là, c'est le merdier. Ouais, t'as pas le numéro des pistes. Mais si tu l'as pas, qui c'est qui l'a? Ouais, où je suis? Je suis au Menuire. Comment ça, où? Bah là c'est tout blanc, y'a du soleil, y'a quelques cailloux au-dessus de moi, c'est parti des cailloux l'avalanche. Ok les gars, donc quand on en est là, on est plus dans une phase de recherche. Si tout le monde est en sécurité, ils éteignent les arvas, sinon vous allez tomber sur eux en recherchant. Non mais c'est pas vrai. T'as trouvé? T'as pas éteint ton arva, Michel! Et puis vous, en faisant votre recherche primaire, faites gaffe aux indices de surface. C'est possible qu'un gant dépasse ou un bâton et qu'il y ait votre ami au bout.
Donc là, on va attaquer notre recherche primaire, comme dans l'entraînement précédent. La différence, c'est qu'il y a de la pente, il y a de la poudre, il y a beaucoup de neige. Si vous déchaussez, vous êtes mort. Donc, on garde les skis au pied et on fait notre recherche primaire, les zigzags, mais cette fois-ci, en ski, pour être plus efficace. On passe en réception. Une avalanche, ça peut vraiment être énorme. C'est pas forcément évident de trouver un signal. Donc il faut faire les bons zigzags. Il faut pas qu'il y ait trop de distance verticalement entre chacun de vos zigzags. Il faut que ça couvre suffisamment de taille dans l'avalanche pour qu'il n'y ait aucun endroit où vous ayez pu louper le signal. C'est bon, j'ai eu un signal. Maintenant, il s'agit d'évoluer doucement, suivre ce signal pour arriver jusqu'à ma recherche en croix. Ok, maintenant je suis à moins de 5 mètres de ma victime. Je vais donc pouvoir déchausser pour faire ma recherche en croix. Vous êtes à votre point le plus proche, maintenant vous allez devoir sonder. L'idée c'est de sonder toujours à la perpendiculaire de la pente en faisant une spirale autour de votre point le plus proche pour être sûr de trouver donc votre victime. En gros, ça donnera une recherche comme ça jusqu'à ce que vous trouviez. Donc c'est super, vous avez fait votre recherche comme il faut, vous avez sondé, vous êtes sûr d'avoir touché votre victime. Donc on fait gaffe à ne pas l'enlever une fois qu'on a trouvé la personne et on creuse pas bêtement la verticale au-dessus parce qu'on n'arrivera jamais à le dégager s'il est sous 2 mètres de neige. On ne peut pas faire un tunnel de 2 mètres à la verticale. Je vais donc vous montrer comment on pelte. Ici notre pote il est à peu près à 1 mètre au fond. Je vais partir en dessous à au moins une fois et demie cette distance pour creuser à l'horizontale et arriver en face de lui en fait. Idéalement si vous avez des amis avec vous, vous allez creuser et vous les mettez à l'arrière en V pour déblayer toute la neige au fur et à mesure. Donc notre pelletage depuis le plat bien en dessous. Vous voyez, c'est là que j'aurais besoin d'un petit pote qui déblaye pendant que je fais ça. Parce que c'est quand même du boulot. Ah. Putain, yes! On va faire gaffe, pas lui couper la moitié de la jambe avec la pelle. Hein. C'est quelqu'un? Bonjour. Oh, mais il y a eu chaud, qu'est-ce que tu branles? Ça fait un quart d'heure que je suis là. Là. Putain, toi, quand il n'y a pas de bière, il n'y a plus personne. Moi, je me casse. C'est pas toi qui avais bien? J'aurais même pas dû venir le chercher alors. Bon, bah voilà, on aura essayé de vous montrer des bons entraînements dans deux terrains différents. À vous de faire le job maintenant. Et puis, on vous invite à vous renseigner auprès des professionnels comme les pisteurs ou la nena. Pour la suite des choses. Et puis si vous avez le budget et que vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté, il vous reste encore un dernier accessoire à ajouter, c'est le sac ABS. C'est ça le sac ABS? C'est vraiment un relou. Hein. Bon bah là ça marche comme ça. Et oubliez pas les gars, même si vous êtes bien entraînés à la recherche, la meilleure chose à faire c'est avoir le bon comportement pour pas avoir à s'en servir. Ah mais c'est lourd, hein. Fantastique ces smartphones. Et tu savais que Poutine vient de faire son coming out? Y'a quelqu'un? Chier putain.